Le chef économiste de la Deutsche Bank appelle Bruxelles à la rescousse des banques européennes. Dans une interview accordée au quotidien Die Welt, David Folkerts-Landau évalue à 150 milliards d'euros leurs besoins en capital. Selon lui, l'atonie de la croissance, la volatilité boursière et les taux de dépôt négatifs de la Banque Centrale Européenne ne leur permettent pas de se recapitaliser d'elles-mêmes. Il attire particulièrement l'attention sur les banques italiennes, lourdement endettées et gangrénées par 360 milliards de créances douteuses.